épisode 38. Et on se retrouve dans Excalibur et juste après ce magnifique casse-tête que j'ai réussi. Ce magnifique parce qu'il est beau. Bon, allez, bref. Passons. Putain, il galère à monter, regardez. Je vais arriver. Voilà, Excalibur. Putain. Celle où on a galéré dans Zelda Skyward Sword à faire. Bah, on va la voir. Grâce à ça. Ça fait vachement. Ouais, putain, il est costaud. Et grâce à ça, ça va nous enlever la malédiction qu'il nous avait mis. Zanto. Ça. Il nous l'avait inséré dans le crâne. Façon barbare. T'as peur? Je veux pas te taper, hein? L'épée t'a reconnu comme digne de la porter. Et vous voyez, si on regarde un peu autour, on a l'impression que justement, on est dans la... Oh, et musique épique. Putain. Le fragment de magie qui t'empoisonnait. Ça n'a vraiment rien à voir avec la magie des ombres. Fais attention, si tu le touches, tu te retransformes en loup. Cet objet est trop dangereux. Il vaudrait mieux qu'il disparaisse à tout jamais. Un moment. Et si nous faisons le contraire? Avec ça, on pourrait te transformer en loup à volonté. Après tout, Zanto a fait tous ses efforts pour nous remettre. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Si tu désires te changer de changer de forme, tu n'as qu'à me demander. Si tu me demandes de te téléporter depuis ta forme humaine, je m'occuperai de t'envoyer à ta destination. Link, j'ai une faveur à te demander. Oh, c'est mignon. Quelque part dans les ruines se trouve le miroir des ombres. Tu ne veux pas m'aider à le retrouver? Le miroir des ombres, c'est la seule chance que nous ayons de retrouver Zanto. Ah, on demande beaucoup, hein, c'était le cristal des ombres avant. Et là, on voit en direction vers le miroir des ombres. Et vous voyez, si vous pensez à réfléchir, enfin, vous vous souvenez un peu du temple de la forêt de Firon de Zelda Skyward Sword. Ici, c'est l'espace où était emprisonné Zelda. Là, en face de moi, là. Ici, on a rangé l'épée. Et vous voyez, ici, il y avait justement un petit peu d'escalier. Bon, là, c'est une porte différente. Les escaliers sont différents aussi. Mais sinon, je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances. Hein. Il y a une porte par là. Il y a une porte principale là-bas. Donc oui, il y a vachement de ressemblances. Alors ici on va y revenir, il va y avoir beaucoup de trucs à notre époque, enfin, on va jouer beaucoup avec le temps aussi. Je vais devenir en loup. Bah, maintenant on peut se transformer à volonté en loup et en... Vous voyez, là je suis en loup. Je veux redevenir un humain. Voilà. Bon, maintenant, c'est posé. Voilà. C'est super, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et ben voilà. Hein, c'est bien. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de se téléporter? Je veux me téléporter. Attendez. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est incroyable qu'un endroit pareil puisse se trouver au fond de la forêt Tyrol. Ouais, mais
je vais retourner au. Je vais retourner au. Comment. Au village de Cocorico pour m'acheter des flèches parce que là je vois que je n'ai zéro flèche, que dalle, je suis fauché de flèches. Je ne dis pas, mais c'est pas grave. Sinon les autres vont avoir peur. Donc ça doit se retrouver ici. Voilà. On va aller là. Merci. Alors pareil, ici il y a des quêtes secondaires aussi. Donc vous me dites dans les commentaires si vous avez envie que je fasse des quêtes secondaires. Du papy, du monde, du monde. Ah, ils ont pas de flèches. Qui c'est qui font des flèches? Oh, tant pis. Ah, elle veut un miroir de l'eau. Ouais, non, on va peut-être pas se téléporter ici parce que la pauvre petite, elle est traumatisée. Le gamin, go à l'épée. Je vais te casser la gueule. Je vais te casser la gueule. Y'en a, vilaine. Y'en a, pas mal, hein. La fille, je suis en train de la... J'essaie de la tuer. Ouais, non, mais tu vas, machin, machin. What the fuck? Alors, on va se mettre. Oh, tiens, il est pas. Ouais, non. Téléporter, c'est beaucoup mieux. Je suis en flemmard. Alors, on va se téléporter ici. L'entrée de la citadelle. Alors, vu qu'en loup, je peux parler aux animaux, je peux parler à mon cheval. Voilà. C'est bien. Ici, on va se retransformer en normal. Tac. Hey, monsieur Link. Alors, as-tu du courrier? Ah, vous voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. Là, c'est une lettre envoyée par Thelma. Ah bah tiens, Thelma, justement, je voulais aller la voir. Maintenant, moi, je repars. A plus. A plus. Alors. Hop. Putain, je sais jamais. Ah, c'est peut-être ici. Bref. Parce que là, il faudra vraiment te trouver des... Voilà. J'ai des amis que tu dois rencontrer. Link, viens d'urgence me voir à la taverne. Ces personnes te seront certainement d'une grande aide. Alors, surtout, ne tarde pas. Je t'attends à la taverne. À la taverne dans la citadelle, tellement. Et bien justement, c'est là que je voulais me rendre. Je m'escape bien. Par contre, où est-ce qu'on peut le faire? Tiens, on voit où déjà les flèches? Oh, pas là. Je sais plus. Je sais plus. Vendre des flèches quelque part, vous me direz dans les commentaires si vous vous en souvenez. Si je retrouve entre chaque vidéo, entre deux vidéos, j'irai en chercher. Ouf, c'est pas... Ah, mais pardon! Oh, il y a du monde, hein. Hop! Alors, regarde, on peut toujours pas passer ici. Ah, si, c'est. Oui, ils ont enlevé les caisses. C'est bien, on peut pas faire ça. C'est un petit peu dommage, hein. Ils auraient pu faire ça dans la belle ville, on aurait pu voir les beaux décors. Mais bon, tant pis. Bon. Alors, t'as rien noté le bas. Tiens, mais c'est Link. C'est gentil à toi d'être venu, toi bien. En tout cas, tu tombes bien. Nous étions justement en train de parler de toi. Hé, hey, vous tous, regardez qui est là. C'est le beau jeune homme, là, c'est le fameux Link dont tout le monde parle. Tu te souviens de ce que j'avais dit? Ce sont les fameux compagnons dont je t'ai parlé, ceux qui tentent de rétablir la paix en Hyrule. En fait,
Il en manque un. Il se passe des choses bizarres dans le désert à l'est et il est allé voir de quoi. C'est un homme d'un âge un peu avancé qui s'appelle Lafraie. Si jamais tu le vois, tu devrais lui parler. Allez, maintenant que tu es là, ne t'enfuis pas comme un voleur, prends le temps de souffler. Pourquoi n'iras-tu pas leur parler? Ils sont très sympathiques. Ah, salut. Tu dois être Ling, pas vrai? Je m'appelle Jen, content de te connaître. Thelma m'a raconté tes exploits, tu es vraiment très fort. Moi, je suis plutôt du genre rat de bibliothèque. Et apparemment, tourner les pages ne développe pas significativement la musculature. Par contre, j'en connais un rayon sur les stats et sur la mythologie, alors si un jour ça t'intéresse, demande-moi. Ok, donc lui c'est le bourgeois, voilà. Elle, je suis H. Depuis mon jeune âge, je vis dans les montagnes où mon père ancien instructeur militaire m'a enseigné l'art du combat. Le cours de courtoisie ne faisait pas vraiment partie du programme, alors désolé, je suis parfois un peu brutal. Mais assez de blabla, j'ai quelque chose d'important à te dire. La montagne au nord des rues et le massif des Puits Blancs ne ressemblent à rien aux autres montagnes que je connais. Mais je ne sais pas encore plus, mais ce n'est pas une montagne ordinaire. J'en suis sûr et certain. Elle est sous l'emprise de la force du mal. Si je découvre quelque chose, je te préviendrai d'ici là. Ne t'approche pas, s'il te plaît. Ok. Alors elle, c'est plutôt combat et tout. Je sais pas si je dis ça. Donc son nom, c'est H. Alors. LOL. Je suis content de te revoir, Link. What? Ma femme m'a fait savoir que les enfants de Cocorico, pour les enfants, je suis allé voir à Cocorico. Ils m'ont bien sûr raconté tes exploits. Merci d'avoir sauvé le colin, Link. Il a beaucoup changé, je vais devoir me donner du mal pour être à la hauteur. Je ne peux plus rester les bras croisés. En fait, je connais les membres de ce groupe depuis longtemps. Pour le moment, tout comme eux, je rassemble des informations alors que j'apprends quelque chose de... Je te le fais savoir. Carrément! Alors moi, je crois que la première fois que je suis arrivée, il a fait 3 petits points, je suis bon, d'accord, je me casse. Donc voilà, maintenant, vous savez, c'est une personne de... C'est quoi déjà notre... De notre village, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc, vous savez, maintenant, c'est qui? Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la carte? En ce moment, la frêle observe le désert depuis le lac Illa. Donc ici, on va là. Hop. Donc voilà, donc c'est pas notre père, c'est... Si, je crois que c'est notre père. Je crois pas. Bref, maintenant, on sait c'est qui. Donc on va y aller. On va sortir d'ici et on va y aller. Voilà. Oui, donc là. Oh putain. Voilà. Bref, je vais le dire. Hein. Pour les personnes qui connaissent le jeu League of Legends, que je joue, le nom H, c'est un perso qui est dans League of Legends. Voilà. Pour ceux qui connaissent, hein, H. Voilà. Je voulais juste dire ça. C'est tout. Bon. Que fout une grande crevasse là? What the fuck? Et donc
Yellow, ça passe. On y a un coffre. Je vais essayer de cheater un peu. Ah bah aussi. Ça nous amène là. Bon bah. Ok, même pas besoin de téléportation, mais c'est bien ça. Alors là, ici, c'est pas encore totalement submergé. Y a des... Enfin, ce sera jamais submergé, c'est juste un petit endroit. On peut se balader. Par contre, arriver ici, on a joué. Hop, voilà. Donc, c'est bien, on a à chaque fois des petits signes. Des petits signes. Les points où faut y aller. Ça remplace un peu les balises qu'il y a dans Zelda Skyward Sword, c'est un peu la même chose. Ah oui, c'est rien, ils sont à la grande tour. Hein. J'ai l'air à tomber. Voilà, donc on va bientôt s'arrêter. De toute façon, je fais 4 vidéos parce que. Je suis tout seul ici pour l'instant, dans ma maison. Donc je vais faire 4 vidéos et comme ça, j'en aurai en avance. Ah ouais, c'est comme la première fois que je l'avais rencontré, il commence à faire nuit. Là. Donc c'est parti, on monte. Putain, c'est où? Allez, le chat tombe. Un ennemi qui était là-haut, il fait oh là 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 là, il pousse avec un doigt l'échelle et puis non. Je pensais bien que vous ne tarderez pas à faire votre apparition. Vous êtes sur Link, c'est bien ça. Vous connaissez déjà Dantelma. Permettez à l'humble serviteur courbé par les ans que je suis de se présenter, je me nomme Lafrel. C'est par Dame Thelma que j'ai oui vos exploits. À mes yeux, il ne faisait aucun doute qu'un jeune homme aussi preux ne vienne s'acquérir des anomalies de ce désert. Me trompe, le sauriez-vous sur un Link? Il y avait autrefois dans le désert une prison, bref. C'est une prison, une ancienne prison qui gardait les exécutés, elle est apparemment maudite et tout, enfin voilà. Il y a des bizarreries et tout, oui je vais y aller, je vais y aller. Bon, bref, je passe. Ah oui, donc c'est en fait pour le gros là, enfin, le mec qui est en bas, faut qu'il nous envoie direction le désert. Bon, et ben de toute façon... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit j'aime.